militant des droits de l'homme, pasteur. Pour beaucoup de pays, beaucoup d'observateurs, l'Afrique a le choix. Le premier choix qui s'impose, à mon sens, c'est le choix de la durée. Ne pas arbitrer en faveur du court terme, mais en faveur du long terme. Faire en sorte que toutes les richesses de l'Afrique, y compris rentes pétrolières, rentes minières, ne soient pas sacrifiées au bénéfice du court terme. Harmonie, facteur notamment de dialogue avec l'air de change, l'Afrique a plus d'investissement.